scène internationale, développement majeur dans la guerre au Proche-Orient. Donc, Sylvain, d'abord, la libération de 11 otages israéliens aura lieu comme prévu, mais en plus, on parle maintenant d'une prolongation de la trêve et d'autres libérations. Oui, la pression était forte et de part et d'autre, finalement, on a pris goût à ces libérations, je vous dirais. C'est qu'on va continuer pendant 48 heures, donc on ajoute 2 jours aux 4 jours initialement donc, signés pour procéder à des échanges à la fois d'otages et de prisonniers. Des images que vous voyez sont des images qui ont été envoyées hier lors de la libération, encore une fois, d'un groupe d'otages, 13 Israéliens, et évidemment la libération de 3 fois plus de prisonniers palestiniens de la Cisjordanie. Cela dit, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu un délai, encore une fois, jusqu'à ce que la liste des otages israéliens soit communiquée, entérinée par le gouvernement donc, d'Israël. 11 nouveaux otages israéliens donc, seront libérés plus tard, au cours des prochaines heures, ce qui va porter à 50. C'était l'objectif, 50 en 4 jours. Et évidemment, en contrepartie, libération également de prisonniers palestiniens, ça va donner 150. On a donc rempli cette tâche. Maintenant, au Qatar, l'Égypte et les représentants des deux parties se sont entendus pour effectivement prolonger de 2 jours. Donc, jusqu'à jeudi matin, heure locale, 7 heures, toujours pas de reprise des combats et libération donc de 10 otages par jour, donc une 20aine. Et évidemment, même chose du côté palestinien. Il y aura donc une libération de l'autre côté de prisonniers. Je vous invite à entendre John Kirby, qui est le représentant porte-parole de la sécurité nationale aux États-Unis. Now, in order to extend the pause, Hamas has committed to releasing another 20 women and children over the next 2 days. We would, of course, hope to see the pause extended further, and that will depend upon Hamas continuing to release hostages. Bon, en attendant, bon, on réclame de plus en plus, là, toutes les parties, dans les deux camps, plusieurs pays, donc un cessez-le-feu, carrément, ou enfin une trêve là, permanente. Là, vous voyez des délégations, évidemment, d'ambulances, mais aussi d'aide humanitaire qui se rendent dans le nord de la bande de Gaza, qui est complètement décimée par les forces israéliennes. Il y a encore des gens qui vivent là-bas. Situation catastrophique. Et comment pourrait-on reprendre des combats dans une telle situation? On verra ce qui va se passer, mais on a donc une trêve donc, jusqu'à jeudi matin, Michel. Merci beaucoup, Sylvain.